Salut les techniciens, c'est Amslow, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite, le retour de Gloire aux Skills. Je suis super content parce que, en fait, toutes les idées que j'avais pour une nouvelle série, j'ai décidé de les inclure dans Gloire aux Skills pour me permettre donc de faire une suite et je pense que ça va vous plaire parce que c'est juste énorme. Donc, on se retrouve après avoir remporté le titre de la Division 1. C'était très difficile, mais au final, on a réussi et c'est le principal. Maintenant, on se retrouve avec un nouvel objectif. On se rappelle de l'équipe qui nous a fait gagner le titre de la Division 1 avec Pogba, Cuadrado, Nani, etc. Eh bien, elle a changé. Ce qui s'est passé, c'est que on a 0 joueur avec 5 étoiles de jet technique dans notre équipe. Du coup, c'est pour ça qu'elle a été un petit peu modifiée. L'objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aller en coupe et justement de débloquer ces fameux joueurs avec 5 étoiles de gestes techniques. Alors, évidemment, on aura la possibilité de choisir entre le choc argent et le bouclier champion en termes de coupe, mais on ne pourra pas participer au classique bronze, étant donné qu'il n'y a aucun joueur avec 5 étoiles de gestes techniques bronze. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, le bouclier des champions, en fait, c'est pas la coupe qu'on va gagner, c'est Botaka. Et oui, et en fait, à chaque participation de coupe, on aura un nouveau joueur avec 5 étoiles de gestes techniques à gagner. Donc, je trouve que c'est vraiment très très bien parce qu'en fait, ça va nous permettre de tester pratiquement tous les joueurs avec 5 étoiles de gestes techniques, à part Ronaldo et les légendes, malheureusement. Je pense que, bah en fait, j'ai pas les crédits, donc je sais pas comment je vais faire pour les avoir, mais ce n'est pas très grave. Donc, comme je disais, on aura la possibilité de soit partir en choc argent, selon, bien évidemment, l'équipe qu'on a, parce que si on a une équipe argent, évidemment qu'on va partir en choc argent, soit en bouclier champion. Pour cet épisode, on va jouer un match, et ce sera un match en bouclier champion, étant donné que notre équipe a des joueurs or. Donc voilà, on ne peut pas participer donc au choc argent. L'équipe est composée de joueurs que vous connaissez. On a la défense de Manchester City qui nous a bien servi en Division 1. On a quelques Français avec Pogba, hein, Pogboom qui est toujours présent, Schneiderlin, Tolisso, Kurzawa, on a aussi Ben Yedder et Menez, on a Dybala en pointe. Alors là vous allez me dire, Sam, t'as Dybala qui a été up, qui est noté maintenant 81 de général, pourquoi tu ne l'as pas acheté à la place donc de ce Dybala noté 78 de général? A savoir que le Dybala noté 81 de général coûte exactement 50 000 crédits, donc voilà. Donc, juste pour vous dire hein, que c'est mort. Voilà, je préfère rester avec mon petit Dybala noté 78 de général qui, lui aussi, nous a très très bien servi en Division 1. L'équipe, donc, est composée de joueurs français, de joueurs de Serie A, de joueurs de BPL et de joueurs de Ligue 1. On est dans une formation que je n'ai pas encore utilisée, enfin que j'ai déjà utilisée, mais pas assez souvent que je l'aurais voulu. C'est une formation, donc, en 4-1-2-1-2, la numéro 2. Et du coup, on a notre équipe qui est prête, on va pouvoir participer au bouclier champion. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a remporté une coupe? Je vous l'ai dit, on remporte donc un joueur avec 5 étoiles de gestes techniques. Le premier c'est Botaka, le deuxième c'est Mastour, le troisième ça va être je crois Elunusi, quelque chose comme ça. Bref, au fur et à mesure, les joueurs avec 5 étoiles de gestes techniques vont devenir un petit peu plus forts. Mais pour les débloquer, il faut gagner des coupes, c'est un petit peu évident. Donc, l'objectif est simple, on va en coupe, on essaye de gagner cette coupe pour pouvoir remporter un joueur avec 5 étoiles de gestes techniques. On crée une équipe autour de ce joueur qui sera le seul joueur avec 5 étoiles de gestes techniques dans cette équipe. On repart en coupe pour pouvoir passer au joueur 5 étoiles suivant, etc. etc. jusqu'à ce que chaque joueur avec 5 étoiles de gestes techniques ait réussi à gagner une coupe. Donc voilà, et l'objectif secondaire, c'est aussi simple comme bonjour, ça va être donc de choisir, de voir par rapport aux stats, le boss de FIFA 16. Et oui, on va enfin savoir qui est le boss de FIFA 16. L'année dernière, on savait qui c'était, sur FIFA 14 aussi. Hein, je rappelle que le boss, c'est le meilleur joueur avec 5 étoiles de gestes techniques du jeu. Enfin, pour moi, après, bien évidemment, on a un avis différent, mais cette série, cette suite de Gloire aux Skills va nous montrer quel joueur est performant donc en match. Et là, en l'occurrence, c'est en coupe, donc c'est limite similaire aux divisions. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que chaque joueur sera disposé dans une équipe. Donc, par exemple, Botaka sera vraiment le seul joueur avec 5 étoiles de gestes techniques de cette équipe. Donc on va voir si il va être utile ou justement s'il va pas du tout être utile. Et à la fin de la série, on va voir combien de participations il aura fallu à Botaka
en coupe pour pouvoir gagner une coupe. Pareil pour les autres joueurs, hein, je pense à Ribéry, Neymar, je pense aussi à Maguidi, Cuadrado, etc. Donc voilà, et à la fin, on saura qui a remporté donc le plus rapidement la coupe, qui a marqué le plus de buts, fait le plus de passes décisives, qui a fait le moins de matchs aussi, parce que bien évidemment, si on perd, on devra recommencer la coupe, du coup, les matchs vont se suivre, etc. Ça va être très fun, ça va être super drôle, on va voir un petit peu chaque joueur avec 5 étoiles de GS Technique. Là, l'objectif de cet épisode, c'est de remporter le premier match. Vous le voyez qui est en train de passer devant vos yeux. Hein. De toute façon, vous allez voir le résultat de ce premier match. Et puis ensuite, bien évidemment, on fera les 3 matchs dans le prochain épisode pour voir ou pas si on a remporté donc cette coupe. Bien évidemment, si on est éliminé, comme je vous l'ai dit, en demi-finale, finale, quart de finale, etc. Donc avec cette équipe, avec Dybala, etc. On devra reparticiper jusqu'à ce qu'on débloque donc Botaka. Et là, la série va vraiment commencer. À la fin de la série, chaque joueur avec 5 étoiles de GS Technique aura ses propres stats. Donc voilà, histoire de bien savoir qui a marqué le plus de buts, qui a fait le plus de passes décisives, qui a fait le moins de matchs, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, ça va être très précis, très minutieux. Et on va savoir donc quel joueur avec 5 étoiles de GS Technique aura été le plus performant. Dans ce premier match, on a gagné 6 buts à 1. Ça s'est plutôt bien passé, on a vu que Pogba, bah, c'était toujours Pogboom. Donc voilà, avec un magnifique coup franc et puis un petit skill run assez sympathique. Donc, on a gagné ce premier match. Il nous reste 3 matchs à jouer, 3 matchs à participer pour pouvoir débloquer Botaka. Est-ce qu'on va réussir cet objectif ? Eh bien, on va le savoir dans le prochain épisode. En tout cas, les gars, n'hésitez pas vraiment à bombarder les gemmes. Franchement, je demande jamais un nombre exact de gemmes, mais si on pouvait dépasser les 1000 gemmes, ça serait exceptionnel, ça serait vraiment énorme. Parce que c'est le retour de Glorious Skill, c'est la suite, ça y est, c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis, tout ce que vous en pensez de... Voilà, de cette suite. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils aussi, surtout, vous savez que moi, je prends en compte ce que vous me dites dans les commentaires, que je lis très souvent les commentaires, que je réponds très très souvent aussi. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas. Mais n'hésitez aussi surtout pas voilà, à mettre un bon coup de crampon sur le bouton j'aime. En tout cas, les gars, nous, on se retrouve très prochainement pour, justement, un nouvel épisode de Glorious Skill et aussi d'Up Ton Skill. Bien évidemment, on n'oublie pas cette série, donc n'oubliez pas de chausser vos crampons, de prendre soin de vous, c'est très très important. Et nous, on se dit donc à la prochaine. Ciao, ciao les amis.